Donc en fait aujourd'hui on va essayer de vous présenter la technique d'enrobé projeté. Donc c'est vrai que la métropole de Lyon a choisi cette technique plus pour une question d'économie. C'est vrai qu'on peut traiter pas mal de nids de poules, de crevasses à l'aide de cette technique. Et c'est vrai qu'avec avec la baisse des budgets des collectivités territoriales, il était judicieux de trouver une solution comme celle-ci. Comme Kamel Hamdi vous l'a dit auparavant, nous avons un marché depuis 3 ans sur la ville de Lyon, qui est un marché qui va durer encore une année. Nous occupons de l'enrobé projeté. Nous avons aussi une entreprise qui est l'entreprise Eurojoint sur ce marché-là qui s'occupe du pontage de fissures. Donc nous sommes ici chemin du désert à Fontaine-sur-Saône pour expliquer la technique avec ses différentes phases. La première phase, au niveau de l'opération d'enrobé projeté, nous soufflons la pièce. Nous enlevons tout ce qui est poussière, eau sur la pièce. La deuxième phase, nous collons en fait la pièce avec une émulsion. Plus généralement, c'est de la 69%. Nous avons une troisième phase qui est l'enrobage du gravillon à base d'émulsion. Cet enrobage permet de remplir la déformation avec le produit. Et là, nous avons la quatrième phase qui est un gravillon à sec qui est mis sur la pièce pour permettre la circulation des usagers. Et sur Lyon, comme je vous l'ai dit auparavant, nous avons une cinquième phase qui est nécessaire puisque nous travaillons dans des milieux urbains pour éviter le rejet important du gravillon qui est le compactage. Pour un retour d'expérience, ça fait 3 années que l'entreprise Atlantic Route travaille sur les voiries métropolitaines donc de toute l'agglomération lyonnaise. Et c'est vrai que j'ai eu que des retours positifs de la part des élus de toutes les communes. Donc c'est un gros point positif pour l'entreprise. Je vous présente le nouveau Green Swift, une nouvelle génération de machines qui est utilisée pour la réparation des chaussées. Elle a les deux techniques qui permettent de réparer les chaussées, la technique de pointe-à-temps automatique avec un système de rampe à émulsion et de tiroirs qui permettent d'épandre le gravillon, et nous avons un bras avant qui permet de réaliser les enrobés projetés mécaniquement. L'avantage de ce camion, c'est que nous n'avons qu'un seul opérateur, nous n'avons pas un opérateur derrière la machine, donc il est très mobile, il peut se déplacer de pièce en pièce, gérer toutes les déformations de la chaussée sans faire intervenir un autre camion de notre société. Donc il peut réaliser le rebouchage des nids de poule avec son bras avant et réaliser des pièces un peu plus grandes et non déformées avec sa rampe arrière et sa benne de gravillon.